Naturelle, pourquoi elle est importante? Tout simplement, bon, il y a plusieurs raisons. La principale est qu'en droit international, les principes d'autodétermination des peuples et de souveraineté de ceux-ci sur les ressources naturelles sont liés. Donc, si vous voulez, la souveraineté sur les ressources naturelles, c'est le pan économique du droit à l'autodétermination. Les actes qui ont été contestés devant les juridictions européennes par le Front Polisario et par Western Sahara Campaign UK, dont je fais partie aussi, j'ai oublié de préciser dans la présentation, les actes qui ont été attaqués ne respectaient pas en soi le droit international et en particulier le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Évidemment, mettre la lumière sur l'exploitation des ressources naturelles, l'exploitation illégale des ressources naturelles, dans un territoire non autonome et occupé, dans un territoire non autonome, pose inconditionnellement la question de l'occupation militaire. Donc, je vais remettre un peu en contexte le cadre dans lequel les deux arrêts principaux qui ont été rendus, donc, il s'agit en fait de deux accords qui était passé entre l'Union européenne et le Maroc pour les produits, notamment les produits agricoles, et un accord de partenariat dans le cadre de la pêche. Ces deux arrêts qui ont été rendus donc, respectivement le 21 décembre 2016 et le 27 février 2018 n'ont pas annulé les accords, mais les arrêts qui ont été rendus apportent beaucoup d'éléments et d'informations sur le statut du Sahara occidental et sur la nature des relations que l'Union européenne doit avoir avec le Sahara occidental. Donc le premier arrêt du 21 décembre 2016 a couvert l'accord de partenariat agricole. Donc, en l'espèce, c'est un accord qui datait de 2000, accord d'association euro-méditerranéen, et donc qui, dans son champ d'application, ne couvrait pas, ne mentionnait pas en tout cas le Sahara occidental. Mais dans les faits, évidemment, les produits agricoles circulaient entre le Maroc et l'Union européenne, des produits en provenance du Sahara occidental et donc qui bénéficiaient du même tarif, des mêmes préférences tarifaires que les produits qui venaient du territoire marocain propre. Pour l'arrêt de 2018, donc qui touche l'accord de partenariat sur le secteur de la pêche, donc c'était un accord de 2007 qui arrivait à expiration, donc qui était renouvelé, mais qui est arrivé à expiration en 2018, et pour lequel, par exemple, en décembre 2011, le Parlement européen avait refusé de prolonger d'un an l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc, parce que justement, il ne prenait pas suffisamment en compte les intérêts du peuple sahraoui. Malheureusement, avec beaucoup de négociations et de travail de lobby, etc. L'accord a été quand même renouvelé. Malgré tout, il est arrivé sur la table du juge. Et cette question a secoué beaucoup le Parlement européen, notamment dans ses services juridiques. Donc le Parlement européen a des services juridiques que les eurodéputés consultent de temps en temps quand il y a une négociation d'accord. Et plusieurs avis des services juridiques du Parlement européen ont été émis sur ces questions-là, et tous reconnaissent que les eaux territoriales, donc les eaux qui sont adjacentes au territoire du Sahara occidental et le territoire du Sahara occidental, ne sont pas marocains.
Et enfin, il faut savoir aussi, en 2016, un élément important du contexte, c'était la visite du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui avait mentionné le terme occupation. Donc, c'était dans un contexte relativement tendu. Donc, les deux arrêts en question, le premier de 2016, en première instance, donc le Front Polisario avait attaqué cet accord devant le juge européen. Et en première instance, en 2015, le tribunal non seulement a admis le recours du Front Polisario en tant que personne juridique, mais en plus avait demandé l'annulation de l'accord de partenariat avec le Maroc. Donc évidemment, le Conseil et la Commission ont fait appel de cette décision et la décision de 2016 dont on parle, c'est la décision qui a été issue de cet appel. Donc, la Grande Chambre n'a pas abordé la question des droits de l'homme sur le fond. Donc l'idée, c'était que le Front Polisario avait avancé l'argument que les accords en question ne tenaient pas en compte, ne respectaient pas le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Malheureusement, la Cour n'est pas allée aussi loin que le tribunal en première instance. Elle n'a pas annulé l'accord, mais elle a eu une lecture intéressante, c'est-à-dire qu'elle a considéré qu'au regard du droit international, ces accords n'incluent pas le Sahara occidental, ne devraient pas inclure le Sahara occidental, et que s'il incluait le Sahara occidental, ces accords seraient contraires au droit international, notamment le principe d'autodétermination, mais également le principe qu'on appelle le principe de l'effet relatif des traités. Donc, par exemple, si la France fait un accord avec l'Espagne, elle ne va pas inclure des produits qui viennent du Portugal, sans avoir demandé au Portugal son consentement, etc. Donc c'est un principe de droit international très important. Donc dans l'arrêt, on voit quatre conclusions qui sont très 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 importantes à retenir. Non seulement la Cour établit bien que les territoires sont séparés et distincts, donc deux statuts différents. Ensuite, qu'il n'y a aucune souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, que l'administration de facto, donc c'était un argument qui était avancé par le Maroc, enfin le Conseil, la Commission, pour défendre leur accord, en disant qu'il y a une administration de facto, c'est-à-dire que le Maroc administre, on voit bien que dans les faits, le Maroc administre, mais reconnaître en fait cette administration de facto voudrait revenir à reconnaître une occupation pure et simple. Donc la Cour donc établit bien que ce concept-là n'existe pas. Et enfin, le dernier point qui est très important, c'est qu'il faut recueillir le consentement du peuple sahraoui. Et donc ça, c'est ce qui va jouer ensuite dans la renégociation des accords entre l'Union européenne et le Maroc, mais j'y reviendrai après. Dans l'arrêt du 27 février 2018, il s'agissait de la question des accords de partenariat de pêche. Donc, c'était le rendu et les conclusions sont quasi similaires. Donc, le juge a repris en grande partie le raisonnement de 2016. Le parcours était différent. Donc là, il s'agissait d'une ONG britannique, donc Western Sahara Campaign UK, qui avait entamé des procédures au niveau du juge britannique sur la question, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'elle a aussi attaqué les accords agricoles, mais sur la question des accords de pêche, elle a attaqué le ministère de l'Environnement et le ministère, enfin le fisc. Sur la base, en fait, l'idée c'était que le gouvernement britannique laisse rentrer des produits sur le marché britannique en provenance du Sahara occidental, sur la base d'un accord qui est légal. Donc, le juge britannique a renvoyé la question, ce qu'on appelle une question préjudicielle. Donc, c'est un mécanisme qui permet en Europe, pour un juge national, s'il a un doute sur l'interprétation d'une réglementation, d'un accord, d'un traité de l'Union européenne, peut renvoyer au juge européen en demandant son avis, en demandant de trancher une question.
Donc, même raisonnement, elle rappelle que les territoires sont distincts et que l'accord ne s'applique pas au Sahara occidental. Donc, encore une fois, elle n'a pas touché les questions de savoir si ça violait les droits de l'homme. Elle a tout simplement dit que le champ territorial n'inclut pas le Sahara occidental, même si dans les faits, l'accord incluait bien des produits qui provenaient du Sahara occidental, et c'est dans les mémoires de la défense de la commission qui a reconnu elle-même que 91% des poissons qui rentraient dans l'Union européenne sous cet accord de partenariat de pêche provenaient des eaux adjacentes du territoire du Sahara occidental. Donc, voilà, on voit bien que la Cour, même si elle n'a pas vraiment tranché, elle n'a pas vraiment annulé des accords, elle a eu une approche de regarder plutôt le champ d'application et d'estimer que ces accords ne s'appliquent pas au Sahara occidental, et que s'ils l'étaient, sans le consentement, alors à ce moment-là, ils violeraient des principes de droit international. Ce qui était décevant dans la décision de 2018, c'était que l'avocat général avait requis un mois auparavant. Donc, en général, bon, l'avocat général émet un avis pour les juges qui n'a pas de valeur force exécutoire. Donc, c'est les juges qui vont ensuite décider, apprécier. Mais cet avis est très, très important pour la doctrine. Donc, cet avis-là de l'avocat général demandait l'annulation de l'accord de pêche et parlait d'occupation en territoire du Sahara occidental. Donc, ça, c'est très important. Un autre document qui parlait d'occupation, c'est le communiqué de presse qui a suivi la décision de la Cour européenne de justice. Ce communiqué de presse emploie explicitement le terme « occupation ». Donc, le terme n'apparaît pas dans les décisions finales, mais il est important de savoir que les communiqués de presse sont quand même vus et signés par les chambres et les juges. Donc voilà, c'est important de le souligner. Donc ça, c'est les deux grandes décisions qui ont été rendues. Après celle-là, donc après la décision de 2018, donc la question est revenue devant le juge britannique, et le juge britannique a donc reconnu que cet accord ne devait pas s'appliquer au Sahara occidental et que la partie plaintive, donc l'ONG, avait gagné son recours. L'impact de ces décisions a été très important sur différents plans. Déjà dans les relations Union européenne-Maroc, on a pu sentir quelques tremblements de terre. Déjà en décembre 2011, quand l'accord de pêche n'avait pas été renouvelé par le Parlement européen, le Maroc qui avait demandé aux bateaux européens, notamment espagnols, la grande majorité des bateaux qui pêchent dans les eaux sahraouis sont espagnols, de quitter immédiatement les eaux du territoire. Donc bon, il y a eu beaucoup de négociations, beaucoup de tractations. Encore une fois, en février 2016, après la première décision du tribunal d'annuler l'accord agricole, Rabat a carrément suspendu ses relations diplomatiques avec Bruxelles. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est beaucoup repris dans les relations diplomatiques, les dynamiques géopolitiques. La Commission a fait beaucoup de travail pour essayer de dans sa volonté d'apaiser ses relations avec Rabat, de travailler beaucoup avec les autorités marocaines pour renégocier des accords qui seraient, selon eux, maintenant conformes au droit européen.
Ce que le Maroc a toujours fait, en tout cas en réponse à ces accords, c'est de jouer l'importance que l'Union européenne a d'avoir de bonnes relations avec le Maroc, notamment sur les plans de l'immigration et de la lutte antiterroriste. Donc ça, c'est quelque chose qui revient de manière récurrente et que le Maroc utilise. Pour mettre en avant ses intérêts économiques. Il y a deux autres décisions des institutions des juridictions européennes qui sont intéressantes aussi, qui touchent pas, en tout cas pour l'une, qui touchent pas les ressources naturelles, mais qu'on voit bien la dynamique dans laquelle la Cour de justice européenne s'est lancée. Le 30 novembre 2018, la Cour a jugé que les accords de transport aérien entre l'Union et le Maroc ne s'appliquent pas au Sahara occidental. Donc, ça fait quand même quatre décisions de juridiction européenne qui rappellent que le Maroc n'a pas de souveraineté sur le Sahara occidental. Ensuite, la deuxième décision qui me vient à l'esprit, c'est la décision de novembre dernier, qui concerne les territoires occupés palestiniens et notamment l'étiquetage. Donc l'étiquetage des produits qui viennent de colonies israéliennes. Et ce qui est intéressant dans cette décision, donc non seulement le juge a demandé à ce que les produits qui proviennent de colonies soient mentionnés ainsi, donc non pas produits en Israël, mais produits dans des colonies, donc en territoire occupé. Mais en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que la Cour a repris la jurisprudence sur le Sahara occidental pour finir son raisonnement, enfin pour détailler son raisonnement concernant la Palestine. Donc, c'est dire l'importance de cette jurisprudence-là sur le Sahara occidental au niveau de l'Europe. En dehors de l'Europe, il y a une grosse décision qui a été rendue en Afrique du Sud en 2017. Sur un cargo, oui, c'est un cargo néo-zélandais, en tout cas opéré par une entreprise néo-zélandaise, qui avait été arrêtée donc dans son chemin en route depuis le Sahara occidental vers la Nouvelle-Zélande, qui a été arrêtée dans le port Sainte-Elisabeth, qui a donc fait l'objet d'un recours de la part de la République arabe sahraoui démocratique, qui agissait d'ailleurs pour la première fois en tant qu'État. Donc, son recours a été entendu, et c'était un recours qui était, en fait, c'était un recours au civil pour réclamer son droit de propriété sur la marchandise. Donc, en fait, l'argument, c'était de dire que ce phosphate a été vendu illégalement parce que les véritables propriétaires n'y ont pas consenti. Ils ont gagné. Le paquebot a été, en français, je ne sais plus, mais qui a été endoqué, qui a été, qui est resté dans le port, moyennant une amende très très élevée, je ne sais plus exactement, mais qui se relevait qui s'élevait à environ 10 000 dollars par jour pour enfin, la compagnie qui opérait. Donc ça, c'était vraiment, un exemple en dehors des juridictions européennes, un exemple de recours qui a marché et qui a retenti en Afrique et ailleurs, et qu'on pourrait mettre éventuellement aussi dans le cadre du contexte dans lequel la décision de 2018 a été rendue en Europe. Parce qu'il faut savoir que l'avocat général dans l'affaire de 2018 et qui avait demandé l'annulation de l'accord était le même avocat général en 2016 et qu'à ce moment-là, il n'avait pas demandé l'annulation de l'accord. Donc, on voit l'évolution au fil des décisions et au fil de la jurisprudence, une jurisprudence qui se renforce, en tout cas en faveur des représentants du Sahara occidental. Une deuxième décision qui n'a pas vraiment été un grand succès, c'est celle du Panama, dans le sens où ça a été la même idée, la RASD a fait un recours, le cargo a été arrêté à son arrivée au canal de Panama.
Malheureusement, le cargo a été libéré quelques jours ou quelques semaines après et a finalement livré sa cargaison au Canada. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si Laraz n'a pas gagné dans cette affaire, depuis mai 2017 et depuis cette affaire-là, il n'y a plus eu aucun cargo chargé de phosphate sahraoui qui est passé par le canal de Panama. Et de moins en moins de compagnies opèrent également dans le transport de phosphate sahraoui. Donc, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, en tout cas sur le phosphate, il y a un très tous les ans par Western Sahara Resource Watch qui s'appelle P for Plunder. Malheureusement, je crois qu'il est qu'en anglais, mais je ne suis pas sûre. Et donc, le dernier qui est sorti en février montre vraiment une chute véritable du nombre et en tout cas de tonnage du phosphate qui est ramené du Sahara occidental. Donc, on voit qu'il n'y a pas qu'en Union européenne, il y a aussi d'autres cours qui s'intéressent à cette question. Après, donc une fois que ces décisions étaient rendues, les accords ont dû être renégociés. Donc, c'est là où toute la question s'est jouée, c'était la question du consentement. Donc, comme là on l'avait dit, la Cour a bien dit que le consentement du peuple sahraoui était requis. Donc, on parle bien d'un consentement et on parle bien du peuple sahraoui. La Commission européenne s'est engagée dans des renégociations d'accords avec le Maroc en opérant un processus de consultation. Donc, il faut bien comprendre que consulter quelqu'un, ce n'est pas récolter son consentement. C'est deux choses différentes. Le processus dans lequel elle s'est engagée, c'est un processus de consultation d'ONG, de groupes, d'activistes, de beaucoup d'entités qui n'étaient pas à même de représenter légitimement le peuple sahraoui, dont le seul représentant légitime est le Front Polisario. Donc, pour vous donner à titre d'exemple, on avait reçu à Western Sahara Campaign UK un email de la part de la Commission européenne nous demandant de assister à un rendez-vous à Bruxelles. Donc notre réponse, elles sont toutes en ligne, hein, la correspondance de mail est toute sur le site internet. Notre réponse a été de dire nous ne sommes pas des représentants du peuple sahraoui, nous ne sommes pas habilités à parler en leur nom. Et dans le rapport final de la commission, on voit le nom Western Sahara Campaign UK dans la liste des ONG, enfin des populations qui ont été consultées. Donc c'est pour vous montrer un peu l'absurdité du mécanisme qui a été enclenché par la Commission. Une autre absurdité était la députée qui était rapporteure du dossier dans le comité de commerce international, Patricia Lalonde, a dû tout simplement démissionner de son poste de rapporteur parce que il a été découvert qu'en fait elle était dans le conseil d'administration d'une soi-disant organisation à but non lucratif basée à Bruxelles et qui comportait d'anciens ministres marocains et d'anciens enfin des c'était en fait un groupe de lobby tout simplement. Donc, elle était dans ce conseil d'administration sous son nom de jeune fille, mais elle n'a pas pu nier sa participation. Donc, elle a dû démissionner avec un clair et fort conflit d'intérêts qu'elle n'avait pas signalé quand elle a pris le poste. Malheureusement, ça a été fait très tardivement. Donc, c'était au milieu du mois de décembre, je crois, et le vote avait eu lieu le 16 janvier. Donc, la députée qui a repris le dossier n'a malheureusement rien fait pour empêcher donc l'adoption des nouveaux accords qui maintenant mentionnent explicitement le Sahara occidental. Mais bon, soi-disant après avoir recueilli le consentement du peuple. Ce qui est intéressant aussi, c'était que la Cour européenne avait bien dit, peu importe
si les accords bénéficient au peuple, s'il n'y a pas son consentement, il n'est pas valable. Donc, ces nouveaux accords ont fait l'objet d'un nouveau recours, donc de la part du Front Polisario. Ces recours ont été introduits l'année dernière, au mois d'avril. Ils sont pour l'instant en cours de. Donc, les échanges se font entre les différentes parties. On prévoit éventuellement, enfin, on prévoit, quand je dis on, c'est un on général. On espère avoir une audience cette année. Bon, avec les circonstances actuelles, on ne sait pas encore si ça va éventuellement modifier les choses ou pas, mais en tout cas, une audience serait en préparation. Donc on verra ce que la Cour va décider cette fois-ci. Et donc, c'est une affaire à suivre. On voit aussi également que le gouvernement britannique a, dans ses renégociations d'accords post-Brexit, a repris exactement les mêmes termes que les nouveaux accords Union européenne-Maroc, donc en incluant le Sahara occidental. Donc, malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas, qu'on n'a pas pu, on n'a pas pu empêcher. Mais encore une fois, c'est des affaires à suivre. La bataille juridique est une des batailles les plus sûres que le peuple sahraoui peut remporter. Et j'ai l'intime conviction que la décision à venir au niveau de l'Union européenne apportera plus de victoires que les précédentes.